La plateforme de tokenisation Safi International. Voilà, c'est Safi International, c'est le projet qui doit tokeniser tout Dubaï, voilà, à travers sa crypto-monnaie qu'on appelle le Zenicoin, qui est maintenant listé sur un centralized exchange qu'on appelle la token depuis hier, et elle est en train potentiellement de prendre de la valeur. Avant qu'elle soit listée sur la token, le centralized exchange, elle était à listée sur deux decentralized exchange, c'est-à-dire PancakeSwap et Uniswap. Voilà, c'était comme ça des plateformes décentralisées, des decentralized exchange où il fallait acheter du Zencoin. Voilà, donc maintenant, ceux qui ne sont pas encore inscrits, ou ceux qui sont inscrits, ils n'ont pas acheté la machine, sachez que vous êtes en train de vraiment de perdre du temps. Voilà, c'est le moment de faire, c'est le moment de le faire. Voilà, c'est le moment de le faire pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits et qui ont étudié le projet. Ils ont vu que le projet est intéressant pour eux. C'est le moment de vous positionner, car la crypto-monnaie prendra de la valeur potentiellement, vu qu'elle est listée sur la token. Et d'ici peu, elle sera listée encore sur d'autres plateformes. Voilà. Et au fur et à mesure, la crypto-monnaie doit prendre de la valeur parce qu'elle sera maintenant connue par ceux qui ne sont pas dans Zenith. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est sur la plateforme Zenith International qui mine la crypto-monnaie. Donc, nous qui minons la crypto-monnaie, nous avons un double avantage. Parce que c'est nous qui faisons le mining. Voilà. Et maintenant, nous revendons la crypto-monnaie au prix du marché. Voilà, supposons que tu as miné, disons, tu as 1000 pièces de 1000 pièces de Zencoin, et que demain la valeur d'une pièce est de 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu vends une partie et tu t'achètes une maison, tu réalises un projet physique avec. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Zencoin, il y a encore moyen, il y a encore moyen. Il est vrai que le nombre de up est limité, le nombre de Zencoin à miner est limité. Voilà, parce que le white paper, tout cela est expliqué à l'intérieur. Donc je vais encore faire une vidéo sur le white paper, sur le livre blanc. Voilà, question de permettre à toute personne de vraiment comprendre ce qu'il y a derrière ce projet. Parce que jusqu'à présent, plusieurs personnes se sont inscrites, mais ils n'ont pas payé parce qu'ils n'ont pas compris. Parce que tous ceux qui ont acheté leur machine, et la machine mine de Zenicoin pour eux, H24, ont vraiment compris le projet qu'il y a derrière. Donc, toi qui regardes cette vidéo et que tu t'es inscrit depuis, et que tu n'as pas encore acheté ta machine, sache que tu n'as pas compris le projet. C'est vraiment dommage que tu aies perdu tout ce temps-là pour rien. Et pourtant, tu auras déjà miné une certaine quantité que tu pouvais aller déjà peut-être revendre lorsque le prix pourra monter même à 2 $ ou 3 $ ou 5 $. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand vous ne comprenez pas un projet, essayez vous-même de faire des propres recherches ou contactez la personne qui vous a partagé le projet pour qu'il vous explique encore davantage. Voilà, parce qu'il y a plusieurs canaux d'information de ce projet, dont Zenicoin. Zenicoin aujourd'hui, c'est la plateforme révolutionnaire. Voilà, il faut savoir qu'elle est vraiment solide. Pourquoi? Parce que elle est en partenariat avec une famille, avec la famille royale de Dubaï. Vous savez que Dubaï, les Émirats, ils ne sont pas là pour faire la messe. Ils ne sont pas là pour jouer, ils sont là pour se faire de l'argent. Et hormis de cela, elle est aussi en partenariat avec Avignon, qui est aussi une crypto-monnaie qui est listée sur les plateformes telles que CoinMarketCap, la plateforme de cotation telle que CoinMarketCap. Et aujourd'hui, sa valeur est en train de grimper également. Et par la suite, elle est en partenariat avec l'une des plus grandes banques au monde, la banque OCS. Voilà, elle est située aux Émirats Arabes Unis. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ceux qui se sont déjà inscrits, voilà, achetez vos machines maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, de toute façon, c'est pas tout le monde qui peut être riche. Parce que si tout le monde est riche, les qui viendront laver nos habits, les qui seront nos chauffeurs, les qui seront nos subordonnés. Voilà. Bon, de toute façon, ceux qui ne seront pas dans le bateau, vous allez nous conduire, vous allez aller acheter les habits pour nous au marché. Vous allez tout faire pour nous. Voilà, parce que nous allons vous payer. Pourquoi vous travaillez pour nous? Voilà, parce que on était ensemble, vous n'avez pas su profiter. Voilà, bon, de toute façon, c'est pas une vidéo qui incite quiconque à investir. Donc, si le projet t'intéresse, fais tes propres recherches et utilise le lien d'affiliation que je laisserai en description de cette vidéo pour te positionner. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. C'était le projet Zenity. Voilà, ça va très très vite actuellement là-dedans. Ça va très très vite sur l'échangeur. Ça va très très vite sur l'échangeur. Donc, ceux qui ne sont pas dans Zenith, eux, plus tard, ils vont comprendre que plus tard, ils vont comprendre qu'il faut qu'ils entrent dans le projet Zenith. Il faut qu'ils s'inscrivent dans Zenith pour eux-mêmes miner. Parce qu'en minant, tu es plus avantageux que
Lorsque tu vas acheter sur les plateformes d'exchange, voilà, parce que là tu es considéré comme un client lambda. Donc voilà là dans la différence alors. Donc les gars, j'ai assez partagé ce projet. Donc de toute façon, c'est pas moi qui viendra vous arrêter pour investir. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Sachez que cette révolution doit créer trois catégories de millionnaires. Il y aura des témoins des milliardaires et des millionnaires. Donc, de toute façon, chacun choisira sa position. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons de l'autre côté. Bye bye.